Bonjour tout le monde, c'est Romilou. Comment vous allez ce matin? J'espère que vous allez bien, comme moi. Je vais bien ce matin. Bon, il y a des matins où je suis chonchon, il y a des matins où je suis bien. Mais là, aujourd'hui, je suis bien et je suis très contente de vous retrouver pour vous parler d'un jeu que je vous ai présenté il y a pas mal de temps, avec lequel j'ai travaillé et avec lequel voilà, je suis en train de faire une formation. Au cœur de la communication non violente, je prends soin de mes besoins, ça profite à tout le monde. Entretenez votre motivation en vous reliant à vos moteurs de vie. Donc là, c'est un coffret qui contient 75 cartes illustrées qui reprend les besoins humains fondamentaux et un livret qui contient non moins de 1650 pistes d'action possibles pour satisfaire vos besoins de manière autonome, tout en prenant en compte les aspirations de votre entourage, un soutien inestimable. Si vous souhaitez découvrir ou approfondir la pratique de la communication non violente selon Marshall Rosenberg, seul ou en famille. Bon, alors c'est des gens qui ont fait ça, qui sont quand même des gens, voilà, gestion des ressources humaines, etc., etc. Bon, voilà, ce sont des gens qui, voilà, qui sont vraiment très intéressants et qui ont fait ce jeu, donc Sophie Grosjean entre autres. Avec un coffret d'abord pour commencer comme ceci, qui rappelle tous les fondamentaux de la communication non violente, l'intention de la communication non violente. Donc voilà, je vous laisse lire un petit peu. La CNV, hein, c'est la communication non violente, c'est un art de vivre, ou plutôt un art d'être en vie, tellement. Voilà, je vous laisse lire un petit peu. Et en fait, moi, je suis en formation là-dessus. Les spécificités du besoin en communication non violente. Le non-attachement. La neutralité, une infinité de solutions, la nature du besoin. Ce guidebook, c'est une merveille. C'est même pas un guidebook, c'est un livre. La mise en œuvre d'une solution. Classification des besoins. Et ben c'est un vrai beau travail à faire. Comment utiliser le coffret? Donc, faut qu'on vous explique hein, qu'il y a plein de choses à faire. L'objectif poursuivi ici est de vous aider à sortir de vos habitudes pour satisfaire vos besoins en vous proposant une vingtaine de pistes d'action concrètes et variées pour chacun d'entre eux, en vous laissant la liberté d'envisager d'autres pistes de solutions que vous pourrez noter dans le livret. Une série de 150 pistes de solutions Joker vous est également proposée. De la page 168 à 175, en gras, ce sont des actions qu'il est préférable de ne pas faire. Je vous les propose que vous tentiez de découvrir, pour que vous tentiez de deviner, pardon, les besoins qui motivent un tel comportement. J'adore. J'adore donc le jeu de cartes, le tirage intuitif, les yeux fermés, vous choisissez une carte au hasard. Je vous laisse lire. Voilà, il y a plusieurs petites choses à faire. Explorer les pistes d'action, l'auto-empathie, une situation agréable, situation désagréable, soyez créatif. Voilà, acceptation, lâcher prise, légèreté. Donc là, on vous donne plein de petites pistes pour lâcher prise, pour être dans la légèreté. Vous voyez, plein de choses. À quelle autre piste de solution concrète pensez-vous? Et là, vous pouvez écrire directement sur le petit bouquin. Alors moi, je prends un beau carnet, hein, et vous pouvez écrire directement sur le livre. La deuxième carte, accomplissement, réalisation. Regardez-moi toutes les petites pistes qui vont vous aider à être plus accompli, à faire voilà, des réalisations qui vont vous remplir plus. L'accueil, la bienveillance, l'ouverture et la tolérance. Regardez tout ce qu'on vous propose. C'est une bible. À quelle autre piste de solution concrète pensez-vous? C'est une merveille. C'est une merveille, ce jeu. Pareil, c'est vraiment du développement personnel. Donc en ce moment, je vous en propose beaucoup. Donc choisissez bien, regardez, re-regardez les vidéos. Pour bien choisir ce qui peut vous plaire.
Voilà, vous avez plein de pistes qui peuvent vous faire plaisir, qui peuvent vous aider, qui peuvent vous donner des petites idées. Et c'est un vrai beau manuel. Voilà. Un vrai beau manuel d'accompagnement où vous allez puiser ce qui va vous faire du bien. Et les cartes, en fait, elles sont comme ceci. Alors, hop, 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 que je les remette. Voilà. Donc, vous avez des cartes comme ceci. Un petit peu comme le Dixit, vous voyez. Voilà. Hop, hop. Ben voilà, évidemment, c'est pas l'endroit. Et derrière, chaque carte, vous avez des mots-clés. Donc, ben voilà, ben forcément, moi, c'est tout ce qui me plaît, hein. Vous voyez, des illustrations magnifiques avec un petit mot-clé derrière. Et ensuite, ben, vous choisissez dans le bouquin comment vous voulez travailler. Vous allez voir à quoi ça correspond. Qu'est-ce qu'on vous propose comme piste de travail? Et là aussi, hein, à la limite, vous n'avez que ce jeu comme développement, sur le développement personnel, ça suffit, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir 50 jeux. Moi, j'en ai beaucoup parce que voilà, d'abord, je suis collectionneuse et puis j'espère que ce sera mon futur métier. Regardez-moi ça, comme c'est merveilleux. J'adore cette mamie. Mais voilà, si vous avez ce jeu, déjà, ça suffit largement hein, pour faire du développement personnel. Vous faites ce cadeau, vous prenez du temps avec. Il va vous faire l'année, hein, celui-là, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est une merveille. Alors, je vous présente quand même les illustrations parce que c'est quand même important hein, d'avoir un jeu qui nous parle au niveau des illustrations. Je trouve ça mais tellement joliment fait. Excusez-moi, elles ne sont pas toutes à l'endroit. Parce que c'est vrai que je l'utilise énormément pour moi et puis aussi surtout pour mes amis, celui-là en fait. Voilà. Bientôt, quand on va arriver, je ne sais plus à combien on est d'abonnés, là, honnêtement, 1200 ou je sais pas combien. Dès qu'on va être à 1500, 1400, je vais vous offrir des tirages avec moi, si vous voulez. Le développement personnel, on pourra s'appeler sur WhatsApp ou... on va voir. On fera un tirage au sort. Je prendrai 4-5 personnes. Ça va me faire tellement plaisir, si ça vous fait plaisir à vous aussi. Donc, on va faire ça comme petit cadeau sympa, petit cadeau de fidélité. Oh là là, cette petite maison. Merci d'ailleurs, merci d'être là, merci de me suivre, merci d'être aussi adorable, aussi de m'écrire, de partager tout ce que vous me dites. Si vous saviez comme ça me touche, je pense que... Enfin, je ne sais pas si vous réalisez à quel point... Déjà, à quel point ça me fait plaisir de vous présenter tous ces jeux, toute ma collection, et puis à quel point ça me touche que vous soyez aussi fidèle, aussi réactif, aussi, comment dire, je pense qu'aujourd'hui, on a des liens, non? On ne se connaît pas, hein, mais on partage tellement de choses. Je trouve qu'on a tellement de chance. Je suis contente de vous avoir, en fait. C'est chouette. En dehors de ma vie, de mes amis, de la vraie vie, bien sûr, de ma famille et tout, je trouve que j'ai énormément de chance. Donc, je vous remercie infiniment. Ça me fait toujours très plaisir de vous faire ces vidéos. Chaque fois, je me dis, est-ce que ça va leur plaire ou pas? Voilà, il y a beaucoup de cœur, en tous les cas, j'espère que vous le sentez. Voilà, donc est-ce qu'il va vous plaire ce jeu ou pas, hein? Surtout, vous me dites, hein, parce que, bon, les illustrations, vous voyez, c'est bon. Moi j'adore, 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 hein, mais voilà, donc à chaque fois, des petits mots derrière, des petites phrases, et puis un gros, gros travail. On va regarder hein, une page du livre. Je finis de vous présenter rapidement là, les illustrations. Et puis on va regarder, on va faire un exemple. Trop bien. Prendre soin de soi. Prendre celle-là. Oh là 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 là. Sécurité, mais carrément quoi. Trop belle celle-là aussi. Elle est drôle celle-là, non?
Oh là là, ça c'est gai, j'adore. Trop sympa. Ça me fait plaisir de revoir ce jeu, enfin de le partager avec vous. Alors, on y va. On va faire un petit exercice, vous voulez? Oui, bah vous voulez pas. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas me répondre. Oh, mon rêve, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est qu'on se réunisse tous. Qu'un jour, voilà, je puisse avoir le temps de louer une salle et de. Voilà, et qu'on se retrouve tous. Prendre soin de soi. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose? Prendre bain chaud, aller chez le coiffeur, faire des pauses, chanter, me promener dans la nature, lire, écouter de la musique, m'asseoir au soleil. Lire 10 minutes par jour un livre de médecine tibétaine, m'offrir un massage une fois par mois, prendre rendez-vous chez un thérapeute, veiller à avoir une bonne hygiène de vie, m'écouter 5 minutes par jour, trouver un substitut au tabac ou une autre dépendance, m'enduire le corps de crème hydratante, faire un check-up médical une fois par an, prendre des vacances, m'autoriser à ne rien faire, me faire un cadeau, m'offrir un soin. À quelle autre piste de solution concrète pensez-vous pour prendre soin de vous? Ben vous voyez déjà, on vous propose 20 pistes pour prendre soin de vous. Si déjà, tout autant qu'on est, même moi la première, voilà, j'ouvre mon bouquin, je tire cette carte et je décide de faire quelque chose de tout simple. Si j'ai pas le temps, faire simplement une pause, prendre un bain chaud, lire 10 minutes. Vous voyez, il y a plein de petites pistes pour voilà, se faire du bien, prendre du temps pour soi. J'adore ce jeu. Vous l'avez compris? Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous embrasse très très fort. À bientôt, merci. Au revoir.